Bon, nous voilà de retour pour cette cinquième partie de l'Odyssée Castlevania The Lockhart Chronicles 3. Non, The Seal of the Curse. Alors, quelques petites précisions s'imposent, malheureusement. Enfin, il s'est rien passé de grave, hein, mais c'est que j'ai pas pu résister. Vous rappelez, je vous avais dit qu'au début de cette partie, on fera à peu près 10 minutes en cherchant nous-mêmes. C'est bon, y a plus besoin, hein. J'avais trouvé, c'était ça, hein. J'ai regardé une Solus, donc le mec, là, toujours le même. Et c'est effectivement ça, hein. Il faut lui renvoyer ses dagues. Et même eux, hein, les ennemis, eux, là, les ennemis de base, normaux. Elle, là, tout à l'heure, j'ai essayé. Et on peut lui renvoyer ses couteaux, hein, elle aussi, normalement, donc... C'est ça, il faut bel et bien lui renvoyer ses projectiles, c'est pas pour rien qu'on y va. L'avantage, c'est que j'ai quasiment rien eu à refaire. Depuis le point de sauvegarde. Il faut se servir des épées qui nous lancent, pas vers le haut, hein, vers le bas. Hein? Ah voilà, c'est bon. Qu'est-ce que tu as fait, Simon? What have you done now? Voilà, tourne-toi que je te vois et ouvre les yeux. Mais dans le combat, ça sert plus à rien. Alors, je vais vous montrer. Il faut se mettre là. Ah, voilà. Faut ramasser ce truc. Oh putain! Voilà, je vais me mettre... Ah, d'accord. Tiens, il me touche, hein, avec celle du bas. Eh ben ça aussi, c'est l'une des morts les plus rapides. Et ben voilà, j'attends qu'il tire. Eh ben, en fait, on n'est pas safe ici. Et voilà, deuxième mort. On va les enchaîner, c'est un truc de fou. T'as pas le droit à l'erreur. Ça va être tendu du fion, hein, vraiment. Alors, regardez. Voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, saloperie. Enfin, je voulais me mettre ici. Bon, ça, elle passe au-dessus. Celui-là. Ah, merde! Mais c'est ça, hein, y a pas de problème, je l'ai vu. Je l'ai juste vu une fois, mais c'est bon, hein, il y a une tache de sang. Voilà, regardez, voilà, c'est bon. On a réussi. Mais le problème, c'est que là, faut enchaîner. Le fondu enchaîné. Voilà, je préfère sauter, tu sais quoi. Voilà, deux fois. Voilà, c'est celle-là la plus dangereuse. Tout le reste, on s'en bat les couilles. Waouh. Là, maintenant. J'ai l'impression que c'est toujours dans le même ordre, hein, ces trucs. Voilà, celle-là, c'est la plus dangereuse. C'est la seule qui me touche. Toutes ces autres attaques ne me touchent pas. Attention. Voilà, je préfère sauter quand même. Ah non! Oh putain! Mais voilà le problème. C'est ça le problème. Ah, c'est dommage, on l'avait touché trois fois là. Mais je pense que, comme tous les boss... celui-là, j'aurais pu le toucher. Voilà. C'est ça le problème si je me... Voilà, regardez. Là, je suis passé à travers les lances qui tombent vers le haut. Mais si je me mets au bord de ce carré là, pour esquiver les lances, et que je me fais toucher par une de ces épées... Et je l'ai pas encore touché une seule fois. Voilà, ça, là. Prends ça. Eh ben, le timing a l'air assez costaud. Eh ben, faut pas le faire trop tard, sinon tu te prends des dégâts, évidemment. Ah, attention, maintenant. Voilà. Mais si, voilà, j'ai l'impression que c'est toujours le même cycle, donc... Mais je suis sûr qu'il y a d'autres attaques qui vont arriver, c'est obligé que... Voilà, là, maintenant. Regardez, le prochain, voilà. Ensuite, il va faire vers le bas. Oh putain, la vache, la vitesse. Attends, c'est plus rapide que... Attends, je vais pas sauter. Voilà, et maintenant. Prends ça. Oh, attention! Oh, des putain, des serpes! Des. Il y a des serpes, hein, maintenant. Alors, attendez, j'ai perdu le timing avec tout ça. Hein. Ah, il a changé son truc, j'ai l'impression. Il y a beaucoup plus de lances. Waouh, il tire plus, là. Ah, merde, et voilà! C'est ça, le problème, si tu veux esquiver les lances... En fait, ce qu'il faudrait, c'est bouger sans arrêt, quoi. Saloperie. Regarde, voilà. Et dès qu'elles sont passées, tu te mets ici. Parce que là, s'ils me touchent, eh ben, je tomberai pas dans le trou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, celle-là, il fallait la détourner. Et dès que... Voilà. Tu bouges sans arrêt. Ça va être chaud. Voilà, au-dessus. Et maintenant, c'est parti. Ah, merde. Le problème, c'est que tu vois... Si je me mets pas... si je me mets comme ça, au lieu de comme ça... Ben, j'ai moins de temps pour le frapper, tu vois ce que je veux dire? Si je me mets à l'extrême gauche de la plateforme, je vais pas pouvoir. Alors, attendez, au-dessus. Voilà, et c'est maintenant. Prends ça. Mais il fait des attaques supplémentaires. Putain! Mais elle est chiante, cette épée vers le bas, là. Elle est trop rapide. Et je me déconcentre, là. Je perds le fil avec ces conneries. Ah! Comment ça se fait qu'elle est aussi rapide? Il fait d'autres attaques, hein, c'est ce que je voulais vous dire. Prends ça. Mais putain, mais c'est pas possible! Quel timing de merde! Allez, une fois. Maintenant, celle-là, je vais essayer de l'avoir direct. Prends ça. Oh.
Je peux essayer de la voir deux fois, hein, sinon, pas obligé de rester sur celle du milieu, regardez. Voilà, comme ça. T'as vu? Je peux en avoir plus que un. Hein. Logiquement, je peux avoir les trois. Voilà, celle du haut, j'aurais dû la voir. Celle-là. Prends ça. Celle du bas. Voilà, celle du bas, je... Waouh. Le haut, maintenant, là? Voilà, mais attention, parce que le timing est différent, forcément. Oh, ah, putain. En fait, je suis en train de me dire que... Ah, mais non! Pourquoi il a pas atterri sur la deuxième plateforme, saloperie? Ici, là. Là, j'atteins celle du bas. Là, j'atteins celle du milieu, c'est-à-dire celle-là. Et là, j'atteins celle du haut. Je suis en train de me demander si ce serait pas mieux de rester ici, en fait. Voilà, j'ai plus de temps, j'ai l'impression. Bah ouais, mais celle-là me touche quand même, celle du milieu. Mais celle-là, non. Mais, vas-y. C'est mieux de faire comme ça, tu sais quoi? Ouais, je vais faire comme ça à partir de maintenant. Celle-là, elle me cassera plus les couilles. Vas-y, premier. Voilà, j'aime mieux que ce soit le premier. Et puis elle est beaucoup plus lente. Hein. Elles sont de plus en plus rapides, j'ai l'impression, plus tu vas vers le bas. Voilà, ça, je m'en bats les couilles. On l'a touché combien de fois, là? Ah ouais, c'est clair, c'est plus facile en haut, j'ai l'impression. Je peux pas la voir, hein, celle du milieu. C'est pour ça que je saute. Hein. Wow. Huh. Oh non, mais qu'est-ce que c'est? C'était... C'en était une du milieu! C'est bien ça, hein, le timing change, hein, c'est ce que je vous avais expliqué. Dès que les attaques changent... C'était ça! C'était une comme ça, là. Ça, c'est celle du bas. Voilà, là, il va faire celui du haut, on est d'accord. Regarde. Voilà, celle qui vient de me tuer... Voilà, c'était une comme ça. En fait, faut vraiment faire attention à leur position. Hein. Pas se fier aveuglément au cycle. Prends... Ah, mais putain! Mais c'est pas possible, on va voir le record de merde, là. De mort sur ce boss à la con, là. Putain, c'est incroyable de voir ça. Allez, bien joué! Une faute d'inattention, dépêche-toi, Jackie. Allez, on y va. Je crois que c'est la même musique que contre Death, hein, je sais plus. Allez, saloperie, Mara, je crois. C'est un nom de la Bible, hein, je crois. S'il faut, Nicolas aussi. De toute façon, Légion, Grand Falloon, tout ça, c'était dans la Bible, hein, aussi, il me semble. Je me suis renseigné. Prends ça. Donc, c'est pas rare, hein. S'il faut, Bélérophon, comment il s'appelle, bordel? Attention! Prends ça. L'autre, là, Garamoth, c'est pareil, hein, s'il faut. Et je me suis renseigné, il est que dans Symphony of the Night. Hein. Donc on devrait pas le voir, je pense, c'est un clin d'œil. Ah, mais putain, mais si tu le fais pas, si tu le fais une seconde trop tard, même pas, quelques centièmes trop tard, tu te le payes, hein, ce truc de merde. Pouah, ok, d'accord. Arrête de faire ça. Pauvre con. Et à partir de maintenant, je vais essayer d'arrêter de faire le bouclier. Ça, là, ce truc, ça sert à rien. Ça vous fait chier plus qu'autre chose. On l'avait vu contre le boss avec les dagues, là. Voilà. Putain, là, c'était limite, hein. Parce que ça fait un bruit genre... Écoutez. Ça, là, c'est insupportable. C'est pourri, d'ailleurs. Faudrait le virer. Allez, faut le faire direct, hein. Mais le problème, c'est que ça va changer, quoi, au bout d'un moment. Je sais pas si c'est... Je pense pas que ce soit aléatoire. Allez, encore une fois. Voilà, faut vraiment le faire le plus tôt possible. Est-ce que ça va changer, là? C'est au bout de combien de fois? Ah! Oh, je l'ai eu quand même. Là j'ai eu peur que c'était trop tôt. Voilà, il fait les faux. Et il fait l'effort. Alors là, normalement, c'est un truc du milieu. Huh. Voilà. Maintenant! Non, ça, c'est un truc du bas. Pouais, oh. Il le fait plus vers le haut, là? Ah, putain de merde! Je voulais sauter! Je voulais pas taper, bordel. Il le fait plus, hein, vers le milieu, le haut. Faudra m'expliquer, hein. Il fait que milieu et bas. Bon, attendez. Au début, on reste ici. Et après, il va faire que des bas, c'est ça? Oh, putain, la vache. Si c'est le cas, c'est horrible. Hein. Eh ben, on va y passer 4 heures, hein. On avait dit qu'on finirait à la 7ème partie, attention. Et là, on est à la 5. C'est encore possible, hein, pour l'instant, même si bon... Ça paraît compromis vu mon skill de fou. Allez, saloperie. Dégage. Je crois que c'est 4 fois hein, qu'il faut le toucher avec celui du haut. C'est-à-dire, prochaine fois, il va passer en deuxième forme. Enfin, entre guillemets. Voilà, maintenant il va changer. Voilà, c'est ça. Je le fais d'instinct, hein, je calcule pas. J'ai trop besoin de me préparer. Attendez, je vais me foutre. Maintenant?
Voilà, c'est ça. Ensuite, le truc vers le bas. Ah ! Mais putain que c'est con ! Il aurait pas pu les foutre plus loin les unes des autres, là, ces trucs de merde, qu'on glisse pas dans le trou comme ça, c'est bidon ! C'est du one-shot, ce boss de merde, là. Le baisage. J'avais dit que je voulais pas trop crever, saloperie. Bon, allez. Que c'est con, ce marteau. Mais voilà, c'est ce que je vous avais dit, c'est une bonne idée. Et ça me semblait l'eau. Ok, d'accord. C'est une bonne idée de gameplay, hein, t'as eu. Tous les boss sont différents, c'est assez incroyable, quand même. Allez, saloperie. Oh, putain. Je voulais aller trop vite. Parce que là, je peux pas rejoindre le truc avant que ce machin-là... Je vais essayer de l'avoir au milieu, prends ça. Mais, putain, c'est pas possible, tu te fous de ma gueule, là. La salle du haut, je peux pas la voir. Allez, ça en fait déjà un. Y'a ici. Ah mais putain, mais tu te fous de ma gueule. C'est quoi ce timing de merde? J'y étais là. Qu'est-ce qui va pas? Là, j'ai bien esquivé celle-là. Bon, essayons de rester concentrés. Ça fait déjà 11 minutes qu'on aurait dû le battre. Hein. C'est ridicule. Là. Faut avoir une concentration de fou. Je me souvenais plus qui faisait ça. Celle du milieu, juste après celle du haut. Ça me perturbe, hein, tout ça. Allez, prout. Ça, c'est fait. Faut se faire à son cycle. Ah, merde. Ça, c'est pas grave, c'est rien du tout. Le problème, c'est la deuxième forme, quoi. Avec les trucs... C'est ce truc-là qui descend plus vite. Attention. Tiens. Les hauts, bas, milieux qui changent... C'est ça le problème, hein. c'est pas maintenant. Hein. C'est pas les lances qui tombent, c'est inoffensif, hein. C'est comme s'il n'y en avait pas. Saleté. Et ça va me tuer pour me... Je vais me faire tuer par ça, là, pour regretter mes paroles. Allez, bah vas-y. Ah mais putain, mais c'est pas vrai. Faut que j'arrête de parler. Hein. Ça me déstabilise, ça va pas du tout. Le stabilo. Stabilo. Ok, d'accord. Le boss. Je peux pas en sauter deux à la fois. Hein. Allez. Ramène-toi, saloperie. Voilà, chaque fois qu'il en est à cet endroit-là, j'ai l'impression que t'as un petit peu de jauge de manœuvre, si tu le fais un peu tôt. Vaut mieux le faire plus tôt que... Je sais pas. Vas-y! Voilà, dès qu'il en est à là, je la ferme. J'arrête de parler dès qu'il est sur le point de lancer ses trucs-là, parce que ça me... Je me fais niquer sans... Maintenant. Mais niquer sans arrêt avec ça, encore une. Ah! J'étais en train de me gratter l'œil. Allez. Encore une, et il passe en à mes couilles. Allez, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me mets au milieu ou pas, là? Ah, toujours pas? Oh là. Si. Mais je le vois pas lancer ses trucs. Il lance pas ses faux. Attendez, je vais rester ici pour voir. Parce qu'on s'en fout, hein, on a tout le temps. Là, il va balancer un truc du milieu. Voilà, c'est ça. Ah, putain, il balance plus vers le haut. Oh, il fait que milieu et bas. C'est ça, hein. C'est abusé. Regardez, milieu, bas. Ok, d'accord. Bon, ben, faut y aller. Attention, je saute. Hein. Ah, saleté, j'avais oublié ça. Ah, oh là là. Faut se réhabituer. Attendez, il y en a un autre à droite. Et maintenant! Waouh! Première fois qu'on va aussi loin. Il faut se faire à tout... Mais je crois qu'il y a une troisième forme après. Un troisième cycle. Attention. Ah! Non! Mais putain! Mais c'est de la bouse! Quelle connerie, ce truc. C'est pas facile, hein, franchement. Allez, concentration. On va y passer 4 heures. Splendide. Allez, une fois... Je pense qu'après, il y a un troisième cycle où il va m'obliger à mettre foot sur la troisième marche. Si on part de en haut à droite. Là, je suis sur la première. Bien joué d'avoir raté. D'abord ici. Ensuite là. Et ensuite encore en bas à gauche. Et pas la première. Putain, fais chier. Arrête d'esquiver ce truc, là. Ah. Le problème, c'est que plus on se rapproche de lui, plus on va se faire toucher par les faux. Mais ce qui est chiant avec ce boss, c'est que tu te fais toucher une fois et c'est fini, quoi. À cause de ces trous de merde, là, putain. Ça aurait été mieux sans. Allez, putain. Allez.
Et le 4 fait le bateau à moteur. Prends ça, saloperie. Je vois pas comment on peut l'avoir plus d'une fois par tour. Faudrait vraiment être un... ta gueule. Voilà, on a dit, il faut la boucler, c'est pour ça que je... Attention ! Boucle d'or, encore en train de me gratter le nez. Maintenant ! Voilà. Je vois pas comment on peut l'avoir plus d'une fois par tour, hein. C'est... Je préfère la jouer safe. Un peu comme avec tous les boss, hein, d'ailleurs, depuis le début. Alors, est-ce que c'est maintenant l'IFO ? Oh, putain. Ce qui m'énerve, c'est après, hein, c'est pas maintenant. Voilà, là, il en est à deuxième forme. Alors, attendez, c'est quand les faux ? Ouais, j'y vais. J'ai failli me faire toucher. Celle de droite, et c'est parti. Bon, les deux premières formes... Ah, mais putain, mais c'est pas vrai ! C'est incroyable de voir ça, putain de merde ! Saloperie. J'allais dire, les deux premières formes, il n'y a aucune difficulté. Hein. Et c'est vrai, hein, mais... Encore une fois, c'est que de la... Les étourderies. Allez. Maintenant ! 16 minutes sur ce boss, t'es sérieux ? Le problème, c'est qu'il est long. Hein. Trop tôt, là. Trop tôt. Non, monstre. Ton heure est venue, dépêche-toi. Allez. Ah, attention. C'est vraiment con qu'on puisse pas se baisser, quand même. Faudrait que je regarde un let's play. Du jeu original sur NES, hein, pour voir si on pouvait effectivement pas se baisser. Parce que dans le 1, on pouvait, hein, c'est ça qui est étonnant. Encore une fois. Non, on est à la deuxième forme, là. C'est quand même bizarre qu'il tire plus vers le haut. Celle de droite. Et maintenant! Oh putain, mais c'est incroyable! Quel timing de merde, putain! Pff, ouais, bah on n'est pas pressé. Ok, d'accord, bien joué, continue. On attend plouf, t'as vu? Attends, j'ai pas l'impression qu'il y ait de l'eau. Eh ben, on n'est pas pressé, hein, ça va durer 4 heures. On va passer une partie entière sur ce boss, putain, là! Ça va pas me lourder éternellement, ces conneries, là, putain! Tiens. Le problème, c'est que je m'énerve, là. Tiens, voilà. Allez, on y va, dépêche-toi. Ok, d'accord, de mieux en mieux. Je me retourne même pas. Oh putain, que c'est chiant ces plateformes de merde, s'il n'y avait pas ce gouffre, on l'aurait déjà battu depuis longtemps. Sale de trou. Si je me mets à l'extrême de la plateforme, putain. C'est pas pour rien, hein, c'est pour éviter ces lances de merde, si je me mets au milieu, elles vont me toucher. Les trucs qui tombent du plafond, ça là. C'est pour ça que je tombe des fois là. Ah! Voilà, c'est bon. C'était limite, hein, pourtant. Voyons voir, est-ce que j'ai rien... Comment je pourrais faire mieux, là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux prendre ce boss, là? Parce que ça fait un tiers de la vidéo, rien que sur lui, et on est loin d'avoir fini. Il est loin d'être fini! Oh, putain. On réessaye jusqu'à ce que ça passe, motivé. Prends ça, saloperie. Tant cette première forme, c'est pas dur, hein. Mais... on y est, là? Ouais. Je préfère sauter, là. Ah! Mais c'est pas vrai! J'ai pas le cycle en tête, hein. Cycloteur! Je vais te faire payer, cycloteur! Pas possible. Comme dans Sankukai. Dégage. J'ai pas le... C'est trop pour mon pauvre cerveau, là, ça va pas. Hein. J'arrive pas à suivre. Dégage. Allez, on le saute. Parce que les mouvements sont différents, évidemment, hein, selon que c'est la première, deuxième... Regarde. Voilà, d'abord t'attaques, ensuite tu sautes. Voilà, quand t'es sur la deuxième, t'as pas besoin de sauter. Ah! T'as vu? Ça te perturbe. Vas-y! Oh putain, mais c'est pas vrai, je l'ai eu, là! Bon, ben, j'espère qu'on n'est pas pressé, hein.
S'il faut, je vais supprimer cette partie d'ailleurs. Allez! Et vous faire croire que je l'ai eu plus rapidement, alors qu'en fait on avait mis une heure de plus. Non, mais bon, c'est chiant. Allez! Pas envie de passer 4 heures sur ce putain de boss, là, c'est déjà trop, là. Il y en a... Qui sait combien il y en a après, là? Et s'il faut, plus dur que ça. Hein. Le fouet! Je pense que ça marche qu'avec le marteau. Hein. Allez, je pense que là, il est en deuxième forme. Je vais attendre pour être sûr. Tant qu'on n'a pas... Voilà, premier G. Et deuxième G. Allez, maintenant. Ah! Mais c'est pas vrai, comme tout à l'heure! T'es vraiment con, tu le fais exprès! Dingue de voir ça. Je regardais en haut, là, pour ces lances de merde. Putain, quoi. Allez! Parce qu'à chaque fois que je me positionne sur une nouvelle plateforme, il faut que je vérifie ma position, voir si je suis bien au milieu... Ah ! Justement, pas bien au milieu, excentré, tout ça. Allez, connard ! Dégage ! Je t'ai assez vu. On va retourner tes propres armes contre toi. On va lui redonner la monnaie... Attention. Tiens, de sa pièce. Bon, la première forme, ça... Ah ! Ça va, sauf si on se gratte le nez. Je pense que la deuxième... La première forme, on sera plus niqué. Tiens. Allez, dès que ça... Allez, j'y vais. Allez, là, comme ça, c'est pas mal. Vas-y! Putain, mais c'est pas vrai. Le timing est différent à chaque fois et ça te nique le truc! Putain. Évidemment que quand t'es sur celle-là... Attendez. C'est là? Le deuxième? Eh ben, tu... Tu mets moins de temps avant de faire ça, connard, évidemment. Parce que c'est plus proche de lui à chaque fois, c'est chiant ce truc. Hop. Faudrait mettre le mode slow motion là, putain. Allez. En mode Uncharted 4, prends sa saloperie. T'as vu, là c'était limite, hein, déjà. Je sais pas si j'ai vraiment la bonne technique. Maintenant. Sous le ciel étoilé. Donc ça, c'est un boss soleil et il y a un boss lune, c'est ça? Non mais on dirait plus une étoile en fait. Allez, j'y vais. Waouh! Ah mais c'est vrai que... Ouais mais non, ça marche pas vers le bas. Le bouclier te protège pas quand c'est aux jambes. Je saute. M'en bats les couilles. Non, c'est bon là. Ah! Parce qu'il était plus à gauche. Donc je pensais que ça allait mettre plus de temps, mais non. Pas vraiment. T'as vu? Là, il est à fond à gauche. Et là, il est à fond à droite. Dégage. J'ai pas l'impression que ça change quelque chose, mais bon. Bon, c'est quand tu veux, Jackie, on n'est pas pressé, hein? Ça fait plus de montage, hein. Je me détends. Je m'affale. C'est bidon. Je m'affame. Allez, dépêche-toi. Maintenant! Dernière fois. Encore à droite. Et voilà. Donc. Voilà, là c'est bon. Ensuite, vers le haut. Ah, mais putain, mais c'est pas vrai! C'est ces faux de merde qui ont attiré mon regard, putain. Je le savais pourtant, j'étais prêt. Hein. Pour ce truc de merde du bas, là, mais... les faux ont commencé à sortir, putain! Ok, hein? Ok. Mon truc s'est reformé, hein, juste à temps. Putain, mais c'est de la merde, bordel, c'est incroyable. Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Allez, on y va. Parler des Hertha, hein, je suppose. Ah, putain. Il dit qu'il y avait une marque dessus. L'histoire derrière cette phrase-là, c'est de la merde, et il jette la saucisse à la gueule du mec. C'est que, déjà, c'était humoristique, comme on pouvait s'en douter. Quand il disait ça, hein, c'est une interview. Et allez, va maintenant. Et il disait, c'est une marque de charcuterie en fait. Il y en a pas 50 de hein, façon qui lui a donné qui lui avait proposé de dire du bien de ses trucs. Mais il a dit non évidemment. Mais putain,
En train de me gratter le nez de merde, la putain, ça me saoule ça aussi, s'il n'y avait pas ça, bordel. Ça irait déjà un petit peu moins, mieux. Et bah nul doute que c'est Hertha, hein. La marque en question. Il a jamais révélé, en fait. Allez. Maintenant. Putain, c'est chaud, quand même. Redonne-moi un boss à tuer avec le fouet, hein, et là, je le passe pas aussi long que ça. Raté. Trop tôt. C'est chaud, franchement. J'espère juste qu'il va pas m'obliger à aller encore plus... à tirer que des trucs vers le bas. Ah, putain. Après, bien joué. Ça commence à être dur, hein, niveau cerveau et tout. Niveau doigt, aussi. Allez. Prends ça. Si après il m'oblige à aller sur la troisième plateforme, ça va jamais aller. Comment tu veux? Faudrait presque s'exercer maintenant, en fait. Hein. D'ailleurs, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas une mauvaise idée, non? D'aller directement sur la plateforme en bas à gauche, je vais vous expliquer. Si on se fait tuer, on le fait. Hein, et je vous montrerai pourquoi. Parce que plus tu vas vers le haut, plus c'est compliqué, en fait. Hein. Dégage. Voilà, là je pense qu'il est en deuxième forme. Bah, et on y va. Ensuite, truc vers la droite. Maintenant. Voilà, on saute. Ouais, il le fait très vite. Hein. Ensuite, ouais, je suis bon, là. Ensuite, vers le bas. On n'a jamais été aussi loin. Hein. Là, je suis bien parti. Droite. Voilà, ensuite. Bas. Et maintenant? Ça change, là? Putain. Je me sens bien qu'on va se faire niquer. Maintenant! Non! Non, j'étais trop... Putain! Mais t'es vraiment un handicapé, c'est incroyable de voir ça, là. Bon, alors, je vous montre. Voilà, et à chaque fois que je m'énerve, eh ben, je dis de la merde. Je dis des idioties comme ça. Alors qu'il faut pas. J'avais expliqué dans le card 1. Alors, ça c'est à cause de Hooper, c'est de sa faute. Bon alors, regardez. Si je me mets ici, là, ben j'ai pas besoin de sauter. Parce que celle qui est le plus vers le bas, c'est la troisième, regardez. Celle-là, on s'en bat les couilles, elle est trop haut. Celle-là, elle me touche pas. Pas besoin de sauter ni rien. Regardez. Et y'a que celle-là, t'as juste à te mettre en bouclier. Et ce sera toujours comme ça. Il y aura jamais rien de plus bas que ça. Regardez. Mais le problème, c'est que là... Waouh. Attendez, parce que je vois que ça part... On la voit avant qu'elle sorte de lui, regardez. Ah ouais, celle-là, elle était plus loin. Ah putain, c'est chaud quand même. C'est débile, franchement. Regardez, je me mets ici. À gauche, à mon avis, c'est pourri. Maintenant! Ah putain, c'est costaud quand même, on n'a pas beaucoup de temps. Donc ça fait un nouveau timing et ça va encore me faire chier. Regardez, là on les voit. Regardez, attendez, je vais vous expliquer. Regardez, première vers le haut. Regardez, on la voit, t'as vu? Celle-là aussi, pareil. La troisième, elle est sur lui. Elle est derrière lui, en fait. Regardez, la première... Putain, mais ça m'énerve. Saleté de gorge. Regardez, la première, quand elle sort, quand elle part vers moi, elle est devant lui. La deuxième, pareil. Et la troisième, elle est derrière lui. Regarde, t'as vu? Bon, ça va. Ça devrait me faciliter la tâche, peut-être. Peut-être c'est mieux. Hein. Regardez. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va m'aider. Le fait de la voir... Donc là, je vais regarder sans arrêt derrière lui. Par contre, le deuxième truc, c'est... Il n'a même pas besoin de bouger, en fait. Putain, c'est costaud, là, quand même. Il arrête pas de bouger, il me déconcentre, en plus. Je suis sûr qu'il est largement plus dur après, hein, donc bonne chance. Ah putain, mais c'est pas vrai. Moi, je vais finir par arrêter de parler. Hein. Mais vraiment, hein. Rester silencieux en permanence, parce que là, ça me casse les couilles. Hein. Voilà, bien joué, celle-là, fallait la frapper. Simon! Ça va se savoir. Allez, maintenant. Voilà, là je l'ai vu, mais des fois, je la vois pas, parce qu'il est dessus, ce con, là. Pourquoi il a fait ça, ce con? C'est pas logique. Vas-y! Ouais, c'est ça.
c'est pas forcément plus dur. Une, deux, trois. Ouais. J'avais peur que ce soit beaucoup plus dur en se mettant ici, mais... Une, deux, maintenant. T'as vu? Si tu rates, c'est pas grave. Si tu le fais trop tôt... Voilà, c'est ça. C'est effectivement mieux de le faire trop tôt. Deux, maintenant. Deuxième forme. Attention à cette... Et merde. Ça me protège pas le bouclier. Oh putain. Ça, pourtant c'était nickel comme... Oh putain, fais chier, c'est faux. Les faux me protègent pas. Oh putain. Et là ça me déstabilise, je pense à autre chose évidemment. Ah c'est faux, comment faire là, maintenant? Parce que j'avais trouvé une bonne technique, je suis dégoûté. Faut toujours qu'il y ait un truc qui... Bon, eh ben on recommence tout. Maintenant! Je suis deg, putain, c'est faux de merde qui me touche, mais comment tu veux? Je veux pas bouger sans arrêt, là! Des arrêtes dans le beefsteak, prends ça. Putain, mais c'est pas vrai, tu te fous de ma gueule, là, c'est de la merde, franchement. Allez, on revient ici pour voir. Bah, ça, ça me touche. Je vais rester ici, tu sais quoi? Donc, la première, on s'en fout. La deuxième, ça m'a l'air d'être un bon compromis, hein, de rester sur la deuxième. Ah! Faut juste pas oublier de sauter ce truc. Hein. Alors, première, on s'en bat les couilles. Deuxième, maintenant. Celle-là, faut sauter. Voilà, ça le problème. J'aurais pas craché sur le fait qu'elle soit plus bas, celle-là. Celle-là, on s'en fout. Maintenant. Waouh. J'ai cru que je l'avais loupé. Saleté, putain. Deuxième forme. Ah, putain, je... J'étais pas sûr qu'il fasse ça. Attendez, il va commencer direct, là. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas arrivé à ce passage-là. Ah ouais, d'accord, c'est ça le problème de venir ici. J'avais oublié. Putain, fais chier. Allez, ok, d'accord. Je suis complètement paumé, là. Est-ce que c'est vraiment une bonne solution de se mettre ici? Faut juste se rentrer dans le crâne qu'à chaque fois que tu tapes et que tu lui renvoies à chaque fois, même deuxième forme. Bah ça, et maintenant tu sautes, même en deuxième forme. Et là, c'est même un saut de plus au début. Non, s'en fout de ça. C'est pas évident quand même. C'est un boss cérébral, dépêche-toi. Un cérébro-chiméra. Mais c'est pas possible, d'où elle vient celle-là encore, là? Bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque fois que tu renvoies, faut sauter. À cause de ça, là, ce connard. Je suis perturbé, hein. Pêche-toi. Encore. Dégage. Voilà, là, faut sauter. Et c'est, j'oublie tout le temps. Mais ce qui m'énerve, c'est la troisième forme qu'on a encore jamais vue, hein, je rappelle. C'est pas les deux premiers, hein. Les deux premiers, c'est super simple. Mais c'est après, quoi. S'il m'oblige à venir sur la troisième... Pêche-toi. Saute. Oh là là. Une. Deux. Ouais. Faut pas être pressé. Hein. Allez, saute. Avec les faux qui sortent en même temps, c'est pas facile. Alors là, il va faire direct, hein. D'abord, quand ce truc-là sera tombé, on y va. Saute. Wow. Mais qu'est-ce que... Mais putain! Attention. T'as vu jusqu'où elle est venue, cette merde? La faux. Heureusement, ça m'a pas fait tomber. Voilà, maintenant. Mais elles sont pas en permanence, ces faux, c'est ça qui est étrange. Je me demande si je devrais pas aller à droite quand elles sortent. Droite, et c'est parti. Waouh. Attention de pas se faire niquer, ce serait trop con. Droite. Maintenant. Je suis concentré de ouf. Et alors, il est pas en troisième forme, là?
Waouh. Oh non, qu'est-ce que c'est? Attendez, il faut que je comprenne le cycle là, sinon on est mal barré. Putain. Oh, c'est que celle vers le bas. Oh putain, la vache, il en tire plus qu'une! T'es sérieux? Il faut que je comprenne si... Pourquoi il n'y a plus de roues? Ah ok, d'accord, splendide. Bonne chance, hein. J'espère qu'il faut le toucher que une ou deux fois. Alors, attendez, il faut que je comprenne, là. À quel moment il tire? Combien il y a de trucs qui tombent, là? Alors, une, deux fois le même, et après, une seule, deux fois. À droite, on s'en bat les couilles. Pourquoi à droite? Ah oui. Voilà, et il tire maintenant. C'est bizarre, il n'y a plus de faux et de six sauteuses, là. Enfin, c'est six tournantes, hein, évidemment. Il faut que j'aille sur la marche à gauche. Alors, une fois, deux fois, et on y va. Tendu du slip. Je préfère sauter. Sauter! Oui, ça vient! Attention! Je joue avec le feu, mais un truc de fou. Une, deux, et c'est parti. On y est presque. Hein. Putain. Pas besoin de sauter, hein, t'as ton bouclier, mais bon. Allez, pas envie de tout refaire, vas-y. Faut que je comprenne le timing, faut que je me remette comme j'étais quand j'étais ici au début, là. Et que les faux me touchaient. Faut que je me remette cette histoire de... Quand on le voit apparaître, c'est derrière lui. Maintenant! Non! Putain. Putain, rarement eu autant de... envie de lancer la manette. Bon, ben on y va. Comment j'avais fait au début, là? Enfin, avant qu'on se fasse tuer, j'étais où? J'étais là? Je crois. Oui, c'est ça, on le laisse passer, ensuite c'est parti. Eh ben, tout à refaire, splendide. Mais c'est moins grave que ce que je pensais, hein. Mais j'avais une chance sur deux de me foirer, hein, évidemment. Mais il a fallu que ça arrive. Putain. C'est pour ça que je voulais m'exercer à venir sur celle du en bas à gauche, hein, mais je peux pas se faire repousser par ces trucs de merde, les faux. Pourri. Mais putain, c'est pas vrai, quoi. Ça me sort tout de la tête, hein. Dégage. Putain, que c'est naze, franchement. 40 minutes, plus les 20 minutes de la partie précédente, bien joué, quoi. Une heure sur ce boss. Jean-Pierre Co... Attention! Et ouais, c'est ça qui est un petit peu dommage, malheureusement. Dépêche-toi! Après, je suis pas persuadé que les produits Leader Price, ils soient meilleurs que les autres. Parce qu'ils dénoncent la malbouffe, et puis malheureusement, après, il a fait de la pub pour Leader Price, prends sa saloperie. Alors, soit c'est l'appel du pognon, hein, soit il le pensait sincèrement, mais bon. Allez, une fois! Deux fois. C'est le nombre de fois où il faut... D'accord. Je me grattais le front. Grand front! Et Inno la truie. Eh ben, on y retourne. Viens, on y retourne. Va. Ah putain, mais c'est pas vrai. J'ai sauté trois fois, là, j'ai l'impression. Bon, allez, concentrez ce coup-ci, là. Ça. Putain, pourtant, on aurait dû le passer rapidement. On aurait déjà dû le passer, c'est pas normal de pas y arriver. Peut-être pas dans le bon jour, allez savoir. Bon, ça. J'aimerais vraiment voir ce qu'il y a après. Allez. Une, ensuite deux. C'est quand même pas normal de galérer autant sur ce boss. C'est qu'on est maudit, hein, c'est les... Monial. C'est les Odyssées comme d'habitude. C'est pour me ridicule... Attends, putain, mais deux fois! Combien de fois tu vas faire cette connerie, c'est hallucinant. Dès que les faux sortent du truc, j'oublie l'épée vers le bas. Et je les regarde, mon regard est attiré là-dessus et... C'est fou, hein, quand même. On n'est pas aidé, hein. Ah, saleté! Plein de trucs qui sont en notre défaveur, ça, pas du tout. Dépêche-toi, saloperie, ça m'énerve, là. Parce que je me fatigue aussi, hein, quand je tourne. C'est pas le fait de crier ni rien, hein, de pas y arriver. D'être énervé,
C'est le fait de tourner, hein. Tu tournes pendant 2 heures ou 3 en un jour, et ça y est, t'en peux plus, hein. T'as besoin de reposer la voix, tout ça, donc... Attention ! Maintenant ! Je vais me casser du bois. Allez. Une fois. Deux fois. Puis ça m'énerve cette musique. Putain, ok d'accord. Je me remettais les lunettes. Parce que ça me... Ce casque à la con là me presse les lunettes contre l'oreille et ça fait mal quoi. Ça dont je parlais dans une précédente vidéo de Castlevania. Là. Encore, bah il en fait que des vidéos de Castlevania ce mec ou quoi. Attention ! Mais putain ! Je remettais mon micro. Au micro-ondes. Encore. C'est vrai, hein, c'est pas des conneries. Il me gâche la vue, ce micro, je sais pas pourquoi. Il est mal branlé. Puis tout à l'heure, j'arrête pas de le toucher, dépêche-toi. Allez, on se remet comme il faut. Et donc, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça, là? Bah ouais, c'est pour ça, j'aimerais bien avancer le plus possible, là. Allez! Putain, failli oublier. Un peu plus, là. Parce que là, en plus, c'est une accumulation, putain. La frustration, elle est... Putain. Elle est suprême, mais un truc de fou. C'est plein de points qui me cassent les couilles. Et plus tu t'énerves, et plus c'est difficile. Allez! Prends ça! Hop! Allez, essayons de penser à autre chose, dépêche-toi. Ah oui, la musique! À un moment, il y a un passage très aigu. Je pense que ça a pas dû vous échapper. J'ai essayé de vous... Une espèce de... Non, pas ça. Fallait vous faire écouter si on le voit. Si on y arrive. Une fois. Allez! Les sonorités très désagréables à l'oreille. Putain, c'est pas possible. Toujours c'est faux, hein. C'est incroyable. Faux faille! Ok, d'accord. Là, je vois bien que je suis pas dedans, clairement. Dégage. Bon, allez. J'ai pas été inspiré de tourner aujourd'hui. C'est dommage. J'écoute en même temps. Allez! Maintenant! Non. Je sais plus où c'est, putain. Oh là là! J'ai esquivé, mais vraiment d'instinct, quoi, presque. Du milieu, là? Voilà, on est en deuxième forme. Putain, c'est pas vrai. Même si t'appuies sur gauche quand tu glisses, il va rien savoir, il tombe. C'est fait exprès pour nous casser les couilles, évidemment. J'ai plus envie. J'ai envie de délayer cette vidéo, là, tout ce qu'on a fait. Et de reprendre de zéro. Mais c'est de la triche, évidemment, faut pas faire ça. Là, j'en ai rarement eu autant ras-le-cul que maintenant. Allez! Mais je sens qu'on y est presque, c'est ça qui est gonflant, là. Et non pas gontrant. Gontrant bonheur. Allez! Quel dommage, on y était presque tout à l'heure, connard! Il a fallu qu'on se fasse toucher, putain! Mais... Ah! Quand on était là, tout à l'heure, et qu'il était en troisième forme, putain... C'est insupportable. C'est vraiment un combat de merde, quand même. Enfin, ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, quand on n'y arrive pas. Allez! Alors qu'en fait, c'est une bonne idée, mais bon, c'est chiant, quoi. Allez! Et en off, je suis sûr que je l'aurais passé au bout du 5e essai, quoi. Alors que là, ça doit faire au moins la 40e fois. Voilà, ça c'est mieux. Je suis deg, fais chier, putain. C'est chiant d'attendre qu'il balance ses trucs. Une fois, deux fois. Prout. Bah dis donc, ah putain, mais... Mais à chaque fois, je veux parler de quelque chose et ça me nique, hein, à chaque fois. Ça me fait oublier ces trucs de merde et...
Et ça me tue, hein. Faut vraiment la boucler. Hein. Tiens, porte à peine. Connerie, putain. Casse les couilles, bordel. Regarde-moi ça. Peu plus, là. Prout. Je voulais dire, ben dis donc, si vous... Si vous avez regardé l'intégralité de ces 45 vidéos, ben bravo, quoi. Allez. Mais de toute façon, les Odyssées... Ah putain, mais c'est pas vrai! Arrête de parler, va te faire foutre! Mets-toi une braguette de, à la bouche et ferme ta putain de gueule, espèce d'abruti de merde, là. Tant pis si... Si ça devient chiant à regarder, mais il faut y arriver, là, merde! J'ai pas envie de passer toute la partie sur ça, putain! Allez, la ferme. Ça marche vachement mieux. Ouais, mais c'est naze si tu parles pas, c'est bidon, putain! C'est nul à chier, sérieux. Ouais, je vais mettre la vidéo en accéléré. Mais putain. Ok, d'accord. Allez. Je vais accélérer la vidéo. Non, c'est nul à chier, évidemment. Je vais pas faire comme ça. Mais je commence à comprendre. Ce que certains ont pu... ressentir. Allez. Certains qui l'avaient fait. C'est dommage, oh là là. Comment on a pu passer autant de temps sur ce boss, bordel, c'est chiant. Allez! T'imagines si on l'a maintenant? Oh putain, on se sera tapé 47 minutes de vidéo de merde, et je pourrais pas recommencer. Ouais, fallait la renvoyer, celle-là. Ah, ça, le bruit qu'on a entendu, là. Espèce de bruit de sonnerie, de téléphone, ou je sais pas quoi. Ça, là, ce qu'on entend. Mais... Casse-couille. Horrible. Et maintenant que je vous l'ai dit, vous allez focus dessus. Deuxième forme, là. Parti. Mais putain, mais tu vas pas me faire croire que je l'ai pas eu, là! C'est de la merde, franchement! Putain, mais pour une demi-seconde, tu te fais troncher le cul, là, à chaque fois. C'est... Allez. Une fois. C'est lourd, hein. Casse-couille. Lâche-toi. Quelle connerie, c'est juste pour nous empêcher de finir en 7 parties. Hein. Et on va finir en 8, c'est ça, pauvre con. Ouais. Quelle cinquième partie de merde, quand même. C'est la pire de toutes. Hein. À moins que ce soit drôle, je sais pas, de m'entendre m'énerver. Mais honnêtement, je pense pas, parce que là, je suis vraiment énervé. Maintenant. Mais qu'est-ce que... Mais attends, c'est pas possible, on était en deuxième forme! C'est bizarre. J'ai pas vu les faux. Non, je suis pas rendu compte. Hein. Maintenant! Ah, bien joué. J'arrive pas à me rappeler, il y a trop de trucs qu'il faut garder en mémoire, c'est horrible. Bien joué, je savais que j'aurais pas dû. Trop lent. Ok, d'accord, bien joué. On n'avait jamais eu ça encore. Pêche-toi. Oh putain, là c'était limite. Saloperie. Il faut rester concentré et avoir tout le temps dans la tête le pattern, quoi. Là. Ensuite, tu sautes. Quitte à le dire comme ça, là, et à ne dire que ça. Haut, bas, gauche, droite, tout ça, mes couilles. Attention! Waouh, pourri. Au lieu de dire des anecdotes sur Jean-Pierre Coff et les autres, là. Et les autres, là, bordel de chiasse. Allez, c'est parti. Tiens. Beaucoup d'auto-clin d'œil de la part du Duel 4. Des trucs que moi seul peux comprendre. Allez. Dégage. Ça vient de l'Essid. Hein. Attention. Donc là, deuxième forme, je suis d'accord. Truc de droite, et c'est parti. Voilà, c'est bon, là, va te faire foutre. Attention à ce truc, là, j'ai failli oublier encore. Il faut
Elle est faux. Droite. Et c'est parti. Je pense que c'est ça le secret. Hein. C'est ça le secret de la réussite. Une réussite avec des cartes. La méthode des cartes, parti. Non ! Oh putain. Ouais, mais pas obligé d'attendre un cycle complet, ça c'est chiant, mais c'est pas grave. Vaut mieux ça que crever. Droite, et c'est parti. Bah, il faut que je fasse ça. Que je dise droite, maintenant. Sinon, j'y arriverai pas. Bah, on en est où, là, maintenant? Non, c'est toujours pas le troisième, hein, parce qu'il n'y a pas eu les deux de suite. Maintenant. Bah. Troisième. Bah non ! Non ! J'avais oublié. Et ça, faut aimer souffrir. Et ce qui m'étonne, c'est que... Enfin, je suis toujours comme ça, arrête tes conneries. Je suis toujours comme ça. Je m'énerve sans arrêt dans mes... quand je joue aux jeux vidéo. Même en off. Non mais, je suis toujours dans cette position-là, là. Comme ça, au bout de cette putain de plateforme. Pourquoi la roue, elle avait un truc différent. Ok, d'accord. Fallait pas sauter. Elle avait une... Putain, c'est pas vrai, quoi. On va passer toute la partie sur ce boss, le cauchemar. Et on sera reparti dans la prochaine, oh putain. Je suis deg. Oh putain, non. Là, j'ai vraiment envie de tricher. Et de délai toute cette partie de merde. Non. Putain, c'est pas vrai. Incroyable. Hallucinant. Ok, d'accord, bien joué. La détresse du L4. Putain. Et non pas la maîtresse. Dégage. Je voulais dire un truc important, là. Oui, elle a un chemin différent ou pas, la roue? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'éviter? Dégage. Faut que je me mette sur la troisième ou celle du haut? Pourri. Comment j'évite cette roue de merde? C'est quoi son chemin, là? Mais ce n'est pas mon chemin! Voilà, bien joué. Je me demande si c'est vraiment intéressant à regarder. Allez! Et non pas Carl Lévi-Strauss. Dépêche-toi. Il est Jean Lévis. Déjà en deuxième forme, ben, dis donc. Parce que t'as vu, il y a quand même un gros côté aléatoire. Maintenant! Avec la direction... Ça, là, ces trucs de merde... Oh là là, mais c'est pas vrai. Pff, arrête de regarder ces faux de merde, on s'en bat les couilles. C'est ça qui est important, c'est le seul truc... Bien joué. Le seul truc qui te touche. Et toi, qu'est-ce qui te touche? Ça vous intéresse tant? Chaque fois que nous repartons dans l'immensité, j'ai l'espoir de découvrir ses secrets. Je suis peut-être pire que toi encore. Allez, dépêche-toi. Hayato a toujours la gorge serrée devant les plus grands mystères de l'univers. Dépêche-toi. Ah, mais c'est sérieux, bordel. On est un petit peu genre Galaxy, d'ailleurs, hein, avec ce ciel étoilé, là. Des trucs rouges. Putain, que c'est naze. Prout. Ce timing de merde, que c'est bidon, quand même. Ça change sans arrêt, c'est horrible. Maintenant! Donc ça, sans Kukai, hein, comme d'hab. Ah, mais putain! Pourtant, je l'ai pas re-regardé. Hein, depuis longtemps. Mais c'est une blague. D'ailleurs, qui a été réédité il y a pas très très longtemps. Allez! Mais je connais pas l'épisode, hein, moi je connais que les épisodes en 2D. Allez, passe au-dessus. Maintenant, le L4 délire. Hugo délire, c'est parti. Je suis deg, on aurait dû le passer, on méritait là. Il mérite un boss dans The Witcher, dépêche-toi. On méritait, putain, on a suffisamment souffert, va te faire maître, sérieux. Et va te faire élève aussi, dépêche-toi. Bon, rien que pour ce jeu de mots, il faut garder cette partie. Allez. Oh, merci, hein, on est solidaire hein, dans le... Dépêche-toi.
dans la souffrance, on souffre ensemble, hein. Ah ! Et non pas souffreteux. Mais ça, c'est ce qui m'énerve, c'est ces trucs de merde, là, putain. C'est faux. Des fois, ça vient vers moi, hein. Attendez, je me replace. Ouh, allez, on est solidaire dans la souffrance. Ouh. Allez. C'est frustrant. Maintenant. Ah, on s'en fout. Saute. Ouh. Ensuite. Droite. Et c'est maintenant, là? Ouais, c'est ça. Un deuxième pas, oubliez celui-là, hein. Surtout pas. Hein. Ce qui m'énerve, c'est faux. Des fois, ça vient vers moi, là. Droite. Et c'est parti. Putain, mais c'est pas vrai, tu te fous de ma gueule. Qu'est-ce qui va pas, là? J'allais dire qu'on était bon, là! Que j'étais rentré dedans, que j'étais programmé, là! Putain! C'est fou, bordel! Bon, allez. 4 minutes, autant dire que tu peux arrêter maintenant. Mais le problème, c'est que je reprends juste après, là, donc c'est bidon, c'est pas une histoire de... Vivre un autre jour. C'est pas le fait de reprendre un autre jour demain qui... Peut-être c'est ce que je devrais faire, mais pour une fois que je peux tourner, faut y aller, la connard. Ça qui m'énerve aussi, putain. Allez! Là, c'est vraiment une partie pour rien. C'est bidon. Quelle connerie, putain. Qu'est-ce qui m'a pris de lancer ce concept d'Odyssée? Allez! Prends ça! Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, c'est quasiment la seule fois où on peut me voir m'énerver. Sauf dans les lives aussi. Hein. Parce que dans les lives, c'est gratiné aussi, hein, parfois. Attention! Oh, putain, la vache, la vitesse! Avec Super Meat Boy et tout, là. Allez! Ouais. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas parer. Mais c'est logique quand tu vois le Simon comme ça, là. On puisse pas parer. C'est pas un bouclier géant. Comme des fois ça existe, c'est des écus. Putain, mais non. Ça me déconcentre trop de parler, putain. C'est un écu, je crois. C'est-à-dire ça prend tout le corps. Ça descend jusqu'aux pieds. Ça te couvre en entier. Ça, tu vois, ça arrête que... Putain, mais c'est pas vrai. J'étais en train de me gratter le sourcil. Bon, ben, ça aurait été pourri. Ça aurait été nul à chier du début à la fin. Allez. Dépêche-toi, saloperie. Une fois, deux fois. En plus, je commence à voir trouble. J'ai des trucs sur mes lunettes, je sais pas, mais là, il y a un truc qui me dérange. Là. Voir. Oh putain. Cette douleur... Ouais, j'ai un truc sur le... Cette douleur aux oreilles, c'est horrible. Surtout l'oreille gauche, hein. Allez. On remet le casque. Et on se raye le casque. J'ai un truc sur ma lunette, hein. Ça va pas du tout. Sur le verre gauche. Donc je vais nettoyer juste après. Maintenant. Je suis dégoûté, vous pouvez pas imaginer à quel point, voilà. Incroyable, j'en reviens pas qu'on ait passé une heure entière sur ce boss, alors qu'on a compris comment il faut l'avoir et tout, on connaît toutes ses formes. Putain. Toutes ces phases. Il n'y en a pas d'autres, hein, après la troisième, c'est sûr. Hein. Je suis dégoûté. On a tout vu et on n'y arrive pas. Découragé, vous pouvez pas imaginer. C'était bien parti, hein, pourtant, cette Odyssée. C'était bien, hein, les 4 premières parties, mais là... c'est devenu nul à chier, à cause de ce boss de merde, bien joué. Mais comme je voulais dire tout à l'heure, ce qui m'a fait tuer... Voilà, comme là. Ce qui m'a fait tuer, d'un autre côté, j'allais dire, c'est que les épreuves, les Odyssées, ça a toujours été comme ça. Hein. C'est fait pour être pétage de câble, hein, dans le principe... Surtout les Odyssées. Hein. Tu connais pas le jeu. Même au bout de 5 heures, s'il faut, tu l'as pas maîtrisé. Et...
Et t'en as souffert pendant des heures avant. Et encore, normalement, c'est d'une traite. Hein. Moi, je triche, je fais pas comme ça. Hein. T'imagines ? Mario World, c'était la seule fois, hein, il me semble. Dégage. Et... où j'avais fait le jeu d'une traite. Mais il est pas non plus d'une difficulté extraordinaire, je suppose. Et ça, par contre, c'est pétage de câble. Hein. Et vraiment... Vas-y. Voilà, deuxième forme, je suppose. Mais putain ! Mais je le savais en plus, c'est ça qui est fou, putain. Allez, j'arrête. Voilà, je pose. Je sais pas quoi faire, mais bon. Se branler, peut-être. Pour... pour se changer les idées. Ah, putain. Il faut à tout prix que je change mon... ma programmation, là. Hein, du cerveau. Trop de trucs qui vont pas, là, faut croire. C'est bidon. Je vais laver ses lunettes et puis je vous reprends juste après. Mais là, franchement, c'est nul à chier. C'était bidon du début à la fin. Pas persuadé que c'était bien à regarder. Et là, ça va continuer. Voilà. Donc, soit je délate tout ce que j'ai fait. Mais je l'ai jamais fait, hein. Et faut pas faire ça. Même quand c'est un foirage complet, faut garder. Faut tout garder du début à la fin. Tant pis si tu... si tu t'es chié dessus, c'est ta faute. T'avais qu'à mieux maîtriser. Hein. Bon. Bon, allez. Et en plus, vous attendez une semaine. Putain, ça aussi, c'est naze, bordel. Pour vous. Vous attendez une semaine pour avoir la suite. Alors, si c'est un truc de merde comme ça, et que ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me gonfle, quoi. Bon, enfin, bref. Bon, à plus pour la sixième partie.